La dernière fois qu'on s'était laissé, vous veniez de faire une visite plutôt rocambolesque chez Landon, le meunier. Vous êtes entré chez lui après avoir découvert des traces qui menaient jusqu'à son moulin. Vous avez posé quelques questions, encore une fois sous la guise de Lord Sevington, une des multiples facettes de persona de Sev. Et... tu dis ça comme si j'avais un trouble de personnalité multiple. Ouais, ouais. Non, mais sauf que c'est... Peut-être! Peut-être, non. Mais, bref. Suite à quoi, ça s'est terminé assez abruptement pendant que, justement, vous êtes allé fouiller son sous-sol, vous avez découvert qu'il y avait une genre de grosse planche qui a été placée là pour couvrir un genre de gros trou. Mais quand vous êtes allé, quand que vous êtes descendu à toute la gang pour aller voir qu'est-ce qu'il y avait là, ben, il vous a suivi, puis pogné Biob en train de vider sa casque de bière. Elle a pas vidé, hein? Non, mais de boire dedans. Fait que... Il reste encore le corps, voyons donc, là. Ben oui. Pas hygiénique, un gros corbeau, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Puis, fait que t'as mis un petit peu en colère, puis vous avez tenté de désamorcer un peu la situation sans grand succès. Fait que vous avez dû repartir bredouille du moulin pour ensuite aller faire ce qui était originalement au menu au début de la journée, c'est-à-dire aller voir les Crystal Mines, voir la mine, qui a été fermée relativement récemment. Vous êtes infiltré à l'intérieur, vous avez exploré un petit peu, commencé à regarder, vous avez découvert une espèce d'opération abandonnée de minage avec justement des cartes avec des cristaux dedans, puis plein de choses qui ont été laissées là. Puis vous avez aussi rencontré Melon Trout, un fantôme apparemment du contremaître de la mine, il semblerait qu'il est mort d'une façon ou d'une autre. Qui blâme sa mort sur l'entreprise de Yorick Dermot et qui vous a dit à répétition que l'avarice de son propriétaire avait causé sa perte. Semblerait qu'il lui en veuille beaucoup, mais vous avez quand même cru bon de rebrousser chemin tel qu'il vous l'a commandé. Et vous étiez à l'extérieur en train de justement réfléchir à c'est quoi la prochaine étape puis que faire avec l'information que vous aviez trouvée. On pourrait peut-être aller parler à Alphonse de Mylène. Je suis pas mal certain qu'on aurait pu les détruire, ces fantômes. C'est sûr que nous pourrons faire quelque chose, mais c'est quand même étrange, c'est la première fois que je peux parler à un fantôme. As-tu essayé avant? Non, c'est ça que je veux dire. C'est très étrange tout ce qui se passe. Surtout être aventurier, c'est... ça n'a ni queue ni tête. Pour être franc, je ne sais pas quelle direction prendre pour le moment. Ben, je dois admettre que les fantômes avaient l'air un peu agressifs. Peut-être qu'ils savent qu'est-ce qui va arriver au village dans un certain futur. Peut-être qu'ils sont reliés avec ce qui est arrivé au jeune homme dans le Bright House of Pelor. C'est possible. Mais le fait que le fantôme ait une dent contre le maire... suggère peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, peut-être un autre groupe de gens. Les loups-garous sont liés comment dans cette histoire? On n'a toujours pas parlé à Béatrix. Non, il faut bien la trouver pour pouvoir lui parler. Ouais. Peut-être aller voir le prêtre de Pelor, qui peut-être qu'il sait quelque chose sur ce Melon Trout. S'il a fait une... S'il a enterré, a fait des funérailles ou quelque chose? Je m'attends à ce que ce soit une triste histoire, que la mine s'est écroulée, qu'ils sont morts et que ça finit là. Ou peut-être demander comment débarrasser d'un fantôme? Ils ont peut-être survécu et c'est pas le bon fantôme. J'essaie juste de trouver une autre histoire, je sais pas. Alors là, il est quoi? Il est début d'après-midi? J'ai pas envie d'aller voir le maire, je crois pas qu'il veut parler plus qu'il faut. On a des plans pour que ses gardes soient pas trop contents de nous voir. On peut reparler à Laurent de ce qu'on a vu. Ouais, puis on pourrait... Qu'est-ce que vous avez vu dans le sous-sol, en fait, du moulin? Il y avait un trou dans le sol caché par une planche. Il semblerait qu'il y ait un passage secret sous ce moulin. Puis les traces d'y menaient là. J'ai pas réussi à trouver de traces à l'intérieur.
Possiblement que ce soit on va transformer pour rentrer dans le moulin. Probablement. Mais le fantôme semble... J'ai essayé de faire dire au fantôme qu'il avait fait une espèce d'arrangement avec des loups-garous, mais il avait l'air sincère dans ce qu'il disait. Oui, les raisonnements dans ma tête me disaient qu'il avait de l'air sincère. Je suis pas sûr qu'on pourra décrire ça comme un raisonnement, la peur. Fait que là, ça vaut-tu la peine de rentrer dans le moulin la nuit puis d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait dans le sous-sol? Oui. Mais il pourrait avoir de graves conséquences avec cela aussi. Bien sûr, mais si on pousse nulle part, on aboutira nulle part aussi. Mais si on pousse trop, nous allons avoir la population locale sur le dos. On n'a trouvé aucune preuve des loups-garous. Les loups-garous sont là la nuit. Le jour, ils ont des apparences humaines, donc ça va être dur de les trouver le jour. L'enfant au deuxième étage avait l'air de quoi, là? Il était blond, il avait pas l'air blessé ou quelque chose. C'était juste un jeune enfant, peut-être quoi, une dizaine d'années. Blond donc, comme le loup-garou plus petit que vous avez vu dans le bois. Ah, maintenant que tu le dis, ça serait là, possible. Mais est-ce qu'il a été blessé, ce loup-garou? Je sais pas, j'étais pas là, moi. Je parle à toucher, désolé, mes yeux, ils sont croches des fois. Donc, Otoshi, est-ce oui. que tu avais blessé le loup-garou blanc? Oui, clairement. Avec des traces de brûlure. Il devrait avoir des traces de brûlure au minimum. Ah, mais je parle avec des armes magiques ou quelque chose. Ma fourche dans sa gueule? Je parle de cette fourche. Il y a... La réputation des druides se forme aujourd'hui. S'il y a des brûlures au niveau de la fourche, après, tu devrais consulter un médecin. Mais est-ce que les loups-garous auraient potentiellement des manières de se guérir plus rapidement? Je connais pas trop le sujet. J'imagine qu'une soirée de repos, ça leur laisse le temps de se guérir un peu aussi. Si tu veux, Sev étant l'expert du groupe, tu peux faire un jeu d'arcane. Moi, je vais en faire un. Peux-tu le faire avec des avantages? Bah oui, vas-y avec des... Je suis vraiment pas bon. Non, je connais rien au loup-garou. Ça aurait été malade, genre un 19 puis un 20, man. Ça aurait été juste genre yes. Vous avez aucune idée si les loups-garous ont une régénération plus extraordinaire que la moyenne ou des choses comme ça. Vous avez... Tu sais, vous avez entendu les... Genre, vous savez que les loups-garous puis l'argent, ça va pas bien ensemble, puis... tu sais, c'est pas mal tout, là. Mais au-delà de ça, pas vraiment d'informations pertinentes. Mais je pense que... une possibilité. Mm-hmm. Mais je pense aussi que vous avez raison au sujet de la forêt de cristal. Il semblerait que la source du cristal avance dans ses mines, et après l'accident, c'est comme miraculeusement ça s'est développé aussi dans la forêt. Donc tu penses que ça serait pas dans la forêt depuis toujours? Ben pourquoi mener le trouble de faire le travail dans les mines si c'est disponible dans la forêt tout près? Je connais rien à tout ça, je sais pas. En fait, tu dis tout près, mais la mine est littéralement collée au village. On sait que c'est les fantômes qui les empêchent et c'est pour ça qu'ils vont à la forêt. Ouais, mais c'est beaucoup plus dangereux de travailler dans une mine que dans une forêt. Mm-hmm. Ouais, mais... Si elle est stable, alors je sais pas, c'est peut-être que je suis biaisé parce que j'ai été vécu pratiquement toute ma vie dans un souterrain, mais c'était solide, moi, où est-ce que j'habitais. Stable pour les humains, c'est pas comme stable pour les nains. C'est complètement différent. Et est-ce que je ressemble à un humain? Et c'est pour ça que je dis, les humains qui vivent ici, c'est pas, ils ont pas une tendance à travailler dans la pierre comme les nains. Peut-être qu'ils ne savaient pas exactement qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est vrai, vu comme ça. On pourrait aller faire un tour au Bright House of Pillar pour voir si Laurent aurait d'autres infos à nous donner ou si elle est à côté sur les loups-garous. Mais il me semblait que lui ne...
pensais que la mine n'était pas hantée du tout, que c'était simplement une rumeur par les enfants. Bon, eh bien, c'est le moment. Le moment d'aller lui confirmer que c'est pas juste une rumeur. Malheureusement, les enfants avaient raison. Mais si, c'est... Il savait qu'il ne voulait simplement cacher la vérité. Les mines étaient barricadées pour une raison. J'imagine que tout le monde savait. Peut-être juste pour pas que les enfants y aillent vu que c'est à côté. Peut-être parce qu'ils veulent pas se faire dire de foutre le camp par des fantômes. Exactement! Si la mine est réellement hantée, c'est facile à déterminer. Ça nous a pas pris beaucoup de temps à trouver ces fantômes. En même temps, deux planches de bois vont pas faire grand-chose pour empêcher les fantômes d'attaquer un village. Bon, allons voir le prêtre. Au pire, on peut peut-être poser des questions sur Melanie Trout. Et ensuite, aller voir pour les loups-garous. Peut-être essayer d'aller retourner dans les bois. Essayer de les pister cette fois. Si tout le monde était avec nous, on aurait été correct. Parce que la façon que je vois ça, il y a plusieurs parties impliquées dans cette histoire. Et il faut prendre le diable par la queue à un moment donné. Là. Et... Je suis pas sûr de faire entièrement confiance au prêtre à ce point-ci, mais si vous voulez y aller, je suis d'accord. Peut-être pas lui faire confiance, mais au moins avoir quelqu'un qui parlait qui est plus réceptif, parce que là, si on regarde, il y a le London qui veut... il veut pas seulement qu'on aille le voir, il y a le maire qu'on pourrait parler, mais il nous déteste, alors tout le monde nous déteste, sauf le prêtre. Et Béatrix. Elle regarda Aragon. Oui, allons voir le prêtre, alors. Fait que vous vous dirigez vers le Bright House of Pelor de nouveau. Fait que quand vous entrez à l'intérieur, vous voyez un Père Alphonse qui est en train de faire, semblerait, un petit... qui est agenouillé devant l'autel, puis qui semble prier en silence. Puis, il semblerait pas trop... il a l'air peut-être concentré, il vous entend pas rentrer. Vous entendez, derrière la porte, à droite, la voix de Laurent, qui semble réciter des leçons de façon, disons... sévère et plutôt ennuyante. Puis sinon vous entendez un peu de bruit de... Vous entendez le bruit de la tête de vaisselle en train de se faire ramasser dans la porte à gauche. Je pourrais aller voir Laurent pour pas déranger Alphonse. Allons-y. Ben vous avez contrôle de vos bonhommes, les amis. Oui. T'as un chat devant mon écran. Oui, pas trop. Oui. Fait que quand tu rentres dans la porte, Laurent arrête un peu sa phrase. Il est en train de donner un cours, une leçon aux enfants, puis fait « Oh, bonjour les amis. Les enfants, c'est l'heure de la récré, allez jouer dehors. » Les enfants « Ouais, ouais !» Vous faites genre juste passer par les enfants qui vont rapidement à l'extérieur. Supprimé de l'existence. Puis justement, Laurent s'approche de la porte. Puis tu vois qu'il regarde un peu, genre vous êtes tout en petit tapon. Et si vous voulez me laisser passer une petite minute, je vais juste prendre un peu d'espace quand même pour être plus. Il se tourne, puis on va être en meilleure position pour se parler. Est-ce que je peux vous aider avec quelque chose? La mine est hantée. Non, vraiment. Oui, il y a un fantôme. Un fantôme, tu dis. Milan Trout. Tu vois, quand tu dis ça, papa, tu dis que sa voix, tu vois immédiatement son expression dropper. Il a comme l'air un peu. Tu vois, visiblement, ça l'a peur. Puis en fait, Raga, tu vois par Alphonse, c'est. Il met ses mains sur l'autel, puis il se lève, puis il se tourne comme subitement. Vario, quand il entend ce son-là.
Puis les deux prêtres se regardent. Puis t'as regardé. Où est-ce que t'as entendu ce nom-là? Par le fantôme qu'il y a dans la mine. Puis les prêtres se regardent encore d'un air un peu plus inquiet cette fois-ci. Pas difficile à trouver non plus. Je vous avoue que personne n'y va depuis qu'elle est désaffectée. Alors, si vous dites que... Bref, vous êtes entré dans la mine. Donc. Ouais. On essayait de trouver des traces des loups-garous, mais on n'en a pas vu là. C'est très curieux. Je viens ajouter une autre couche à ce mystère. Mais... Mélène Trout est mort depuis maintenant plusieurs mois déjà. Oh, c'est récent? Oui, je crois. Je tourne vers Père Alphonse, puis Alphonse... Oui, à peu près... je dirais 6-7 mois. Est-ce que ça concorde en même temps avec votre problème d'enfant sacrifié? Encore une fois, Alphonse a l'air un peu... toujours un peu perplexé à l'idée de cette idée-là. Mais Laurent, lui... Je crois que oui. Peut-être... mais plus tard un peu, par contre. La mine a été fermée. Mélène et quelques-uns des travailleurs sont morts. Et puis... quelques mois plus tard, je crois que c'est ce qui est... C'est ce qui est arrivé. Puis là, à ce moment-là, vous voyez que... Là, Alphonse a l'air vraiment pas confortable avec le sujet de la discussion. Il semblerait comme qu'il a l'air un peu... Auraga, toi t'es proche, tu le vois. Tu vois ses yeux flicker un peu, genre c'est comme il regarde un peu à gauche à droite, puis il est là, t'es en train de. Il y a une genre de drôle de stupeur qui s'affiche sur son visage. Orof, tu remarques que Père Alphonse a l'air légitimement confus. Tu vois qu'il a comme l'air d'avoir quelque chose qui le dérange, puis. Toi, plus précisément, Raga, tu vois qu'on dit c'est weird. C'est comme si tu vois que Père Alphonse semble se rappeler de quelque chose, puis immédiatement l'oublier. Puis genre, tu vois qu'il fait ça à plusieurs reprises au courant de la conversation. Ou est-ce qu'il y a comme un genre de... Comme quand il y a mention d'enfant, puis tout, il y a comme un moment de... Puis après ça, c'est comme ça drop, puis on dirait qu'il retourne à son état normal. Fait que, puis Laurent justement ajoute quelques mois suite à la fermeture de la mine, je crois que ça s'est mis à se produire. Je vous avoue que mes souvenirs des débuts sont plutôt flous. Est-ce que tout va bien, mon père? Je sais pas ce que j'ai. Plaisez-moi qu'il se tient un peu la tête. C'est peut-être un peu trop de stress pour mon vieux cœur. On dirait que quand on parle des enfants sacrifiés, ça vous fait pas. Là, tu vois immédiatement, il y a encore une fois l'espèce de flash dans ses yeux où est-ce que... Puis là, tu vois que Laurent, il se tourne puis fait... Je le pointe à ce qu'il fait. Ouais, comme mais, ça, qu'est-ce qui se passe? Non, mais là, Laurent, lui, il se tourne puis tu vois qu'il regarde, il fait... Mon père? Oui, Laurent, qu'est-ce qu'il y a? Mais... Tu vois, il vous regarde tout. Puis après ça, il regarde le père Alphonse. Mais... Vous n'avez rien remarqué de bizarre avec les enfants et les femmes enceintes et tout ça? Là, tu vois que peut-être que... Je sais vraiment pas de quoi tu parles, Laurent. Il est peut-être sous un sort qui lui fait perdre la mémoire. Là, tu vois qu'il se gratte la tête, il fait... Ouh, mais qui est-ce qui ferait une chose pareille? Je l'examine. Fais un jet de je commence à lui taponner la face, puis je le regarde dans les yeux. Tu vois qu'au début, il est comme un peu genre « Hey! » Puis après ça, genre... Mais là, tu vois, puis après ça, puis éventuellement, il se laisse comme faire, là. Il y a comme... avec sa discussion avec toi, il sait que tu sais pas grand-chose de des choses que normalement tu devrais savoir. Fait que... il semblerait qu'il se laisse un peu faire, voyant que t'as pas d'intention maligne. Fais un jet de médecine. Moi, j'aimerais ça, pendant qu'elle fait ça, aller voir Sèvres pour lui demander « Est-ce que vous aurez quelqu'un sort, tortilège ou quelque chose pour voir s'il y a de la magie sur ce monsieur? » Puis, juste avant qu'il... Non. trop tard, non. Merde! Il a répondu! Mais non. Mais bref, ouais, médecine 17,
c'est bizarre un peu, genre, c'est pas une condition, tu sais, il y a comme pas un genre de début d'Alzheimer ou une affaire de même, là, il a pas l'air d'avoir perdu ses sens. Il semblerait vraiment que, tu sais, comme un ruff, là, comme pointé, puis Auragot avait l'air de remarquer, il semblerait qu'il y ait comme une vague de souvenirs qui est immédiatement dissipée. Quand il y a mention de ces affaires-là, puis il semblerait que lui-même n'en parle, il en a jamais parlé lui-même. À part dire qu'il savait pas trop de quoi vous parler. Ok. Je vais aller voir Toshi, je vais lui demander la même chose. Est-ce que tu aurais quelque chose pour découvrir s'il est, il est magique ou s'il a la magie placée sur lui? Définitivement, mais il va falloir me laisser une journée de repos et de méditation pour bien me rappeler de ce sort. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Toujours de l'attente, hein? T'sais, s'il faut attendre, on peut en profiter pour essayer de surveiller la... Mon dieu, what the fuck? Le mot. Le moulin, voilà. Oui, mais on va pas passer une journée à regarder un moulin juste dans l'espoir que des loups-garous y sortent. Vous croyez que c'est une malédiction ou c'est une source magique? Tu vois que Laurent, il se penche vers Père Alphonse. Père Alphonse est à ce point-ci vraiment perplexe. Même, il y a Demetra qui commence à regarder par la fenêtre, par la porte, puis il commence un peu comme quasi de voir qu'est-ce qui se passe là. D'anormal de physiquement, en tout cas. Ça n'a pas l'air d'être psychologique non plus. Tu vois, Laurent, il se penche un peu, puis il observe Père Alphonse, qui d'ailleurs maintenant est rendu assis sur les petites marches devant l'hôtel. Fait qu'il se penche, puis il le regarde de plus près, puis il fait... considérant ce qui m'est arrivé, ça serait pas surprenant non plus. Il y avait l'air d'avoir quelque chose. Comme je vous ai dit, moi je pense que c'est la sorcière. Je veux dire, elle est arrivée il y a quelques mois. Là, pas si longtemps après la fermeture de la mine. Mais qu'est-ce qui a causé la fermeture de la mine exactement? Il y a eu un accident ou... Non, il y a des gens qui tombaient malades dans les travailleurs. Assez violemment d'ailleurs. Je pense que c'est ça qui a eu Mélène et sa bande en fait. Mélène semble vouloir indiquer que la cause de leur décès c'est le maire. Oh, tu vois, il se relève. Je pourrais comprendre en fait. Je sais que Mélène et ses hommes se sentaient déjà mal. Ils disaient qu'il y avait quelque chose de bizarre dans la caverne qui leur donnait... un drôle de sentiment. Il y en a qui ont commencé à tomber malades, mais Yorick a refusé catégoriquement qu'on ferme la mine. Il a un peu, disons, obligé les gars à continuer à travailler, sinon quoi, ils allaient les licencier. Bref, étant donné qu'ils voulaient pas perdre leur travail, Yorick paye extrêmement bien ses travailleurs quand même. Mais ils ont continué, éventuellement, la maladie les a emportés malheureusement. De quoi avait l'air cette maladie? Il y avait une toux assez virulente. Semblerait, ça faisait penser un peu à une pneumonie. Il y avait quelque chose à l'intérieur qui semblait, les affecter grandement. J'ai pas pu faire quoi que ce soit pour les sauver malheureusement, mais de ce que j'ai remarqué. C'était pas beau vers la fin, j'avais l'impression qu'il allait, à force de cracher et de tousser comme ça, je pensais qu'il allait se revirer dedans dehors. C'était assez effrayant. Il y a peut-être quelque chose dans l'air de la mine. C'est ce qu'on pense, c'est ce que bien des gens pensent. C'est pour ça qu'on s'oppose tous fortement à ce que Yorick rouvre la mine, parce que depuis un certain temps, il semblerait qu'ils veulent reprendre les opérations, mais... Yorick semble oublier très rapidement ce qui arrive aux autres. Moi, si la réouvre, il va avoir affaire à Milan. Tant mieux, ça veut dire qu'il sera pas capable de la rouvrir et pas plus de gens tomberont malades. Bonne chose. Mais est-ce que le père Alphonse a été mis en contact avec la sorcière Béatrice? Pas plus que n'importe qui d'autre. Ouais, je suis allé la voir pour mes orteils la semaine dernière. Tu vois qu'à ce moment-là, Laurent se tourne puis hausse les épaules. Pas plus que n'importe qui. Est-ce que toi, Laurent, est-ce que tu la voyais fréquemment? Non, en fait, j'essayais de l'éviter parce que j'avais mes suspicions. Et puis, là, il pointe comme dans la direction de sa chambre, tu sais, pour que me va. Puis on a vu ce qui est arrivé.
Est-ce que tu es l'un des seuls qui avait des suspicions comme ça envers elle et qui l'évitait? Je croirais que oui. Je sais que Marianne tripait pas dessus en particulier, mais je pense pas que ce soit par suspicion. Je pense juste que c'est, je sais pas, la jalousie, je suis pas sûr. Y a-t-il moyen que je puisse découvrir, voir si la nature de ce qui emporte le prêtre, c'est magique ou une espèce de malédiction? Ouais, fais un jet de religion ou arcane. Les deux seraient appropriés. Il y a clairement quelque chose de comme de surnaturel vu que Youb semble avoir inspecté le prêtre avec attention, puis il semble pas avoir de quoi que ce soit de physique de décelable. Mais quant à savoir ce que c'est, t'es vraiment pas sûr. Alright, un 50-50 les amis, lequel que je fais. Magic, I guess. Je vais l'examiner à mon tour, vu que là, je vais regarder physique, j'essaie de voir s'il y a de la magie dans ça. Ça semble être un genre de malédiction un peu comme celle qu'a affligé Laurent, mais pas aussi agressive. Il semblerait que celle-ci... t'as déjà entendu parler de sortilèges comme ça? Pis t'as déjà... en fait, t'en as déjà vu toi-même. Mm-hmm. Pis tu sais, ça semble être quelque chose qui modifie la mémoire des gens. Oh, ragote, as-tu quelque chose contre les malédictions qui modifient la mémoire des gens? Ça dépend si c'est une malédiction ou une source de magie. J'ai l'option pour les deux, mais malheureusement, la puissance qui me dicte me donne le choix que pour un de ceux-là. Puis ouais, Youb, avec ton vin naturel, t'es persuadé que c'est une malédiction, c'est pas juste un sort, fait que probablement que... Ah, j'ai déjà vu quelque chose comme ça, c'est clairement une malédiction. Ah, je vais m'installer alors. Et c'est là que je vais m'installer au sol, sortir mon tome et commencer à feuilleter les pages pour préparer le rituel. Je m'assure sur le bain et l'observer. Là, il dit, si ça vous dérange pas, attendez une petite seconde. Laurent, ouais. Laurent part dans sa chambre, puis il arrive avec un bouclier puis une masse. D'ailleurs, sa masse exquise la masse. Fait presque entièrement... Ça est fait en gros acier, mais il y a beaucoup de décorations dorées et un soleil qui... Ça fait, c'est une masse, une flange mace, je sais pas trop c'est quoi en français. Espèce de masse à plusieurs comme... Des flanges, I guess. Puis, qui connecte au-dessus de ça, il y a une espèce de soleil avec des espèces de pointes qui partent comme des rayons. Très, très, très belle masse. Tu dois être un guerrier très doué. Ouais, je veux dire, dans mon temps, avant que je m'installe ici, je fais un peu de voyage, un peu comme vous, là. Mais, ça a été... une flèche au genou. Malheureusement, oui. Non, en fait, c'est plus que... J'ai vu un devoir ici et je m'y suis installé. Mais tu vois qu'il laisse aller sa masse un peu dans ses mains comme pour get a feel. Puis ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Je préfère, bien entendu, j'aimerais mieux qu'on ne pas m'en servir aujourd'hui, mais je sais jamais. Là, tu vois qu'à ce moment-là, Demetra a l'air un peu inquiète dans la salle à manger. Puis Alphonse aussi, là, il a comme l'air un peu genre. Mais est-ce qu'on est en train de suggérer qu'une sorcière nommée Béatrice est en train de malédicter, rendre les gens maudits en leur guérissant les oignons aux pieds? Ouais, je crois que les oignons aux pieds, c'est peut-être un front, si on veut. Alors, Ragotte, peut-être regarder la pommade qu'elle t'a donnée, c'est peut-être dangereux. Tu as appliqué de la pommade depuis qu'elle te l'a donnée, Ragotte? Non, j'en ai pas appliqué encore. Okay. Peut-être que tout le monde dans ce village est rendu maudit pareil. Ouais. C'est très plausible comme scénario, mais... C'est pour ça qu'elle se pointe juste périodiquement, juste pour renouveler le tout. Mm-hmm. Et elle semble très populaire aussi, ce qui semble indiquer que peut-être elle a une manière de contrôler l'esprit des gens. Bref, je vais tenter le rituel sur le prêtre et on verra ce qui va se passer. Fait que tu castes Remove Curse.
C'est une question, excuse. Ouais. Oui, il casse. Ouais, je le casse, là. Okay. Il est écrit dans le chat. Ah, ok, c'est ça qui est. Ah, ben oui, excuse. Parce que mon chat, il scroll pas down tout seul, des fois, c'est un peu tannant. Donc, ceci dit, tu lances le sort, tu sens encore une fois la volonté de Strongmouse, des beats. Mais cette fois-ci, comparé à ce que tu as eu expérimenté avec Laurent, il n'y a pas de résistance puissante. Visiblement, c'est une malédiction, fait que quand même, il y a un certain. Il y a un certain. Travail, disons, mental, mais ça semble se lifter, puis tu vois qu'aussitôt que ça se fait, le père Alphonse, tu vois que ses yeux, tu vois, il regarde droit devant, puis il semble regarder comme plus loin que. C'est comme s'il regarde dans le vide. Puis tu vois que ses yeux se remplissent d'eau, puis le vieil homme se met immédiatement à pleurer de façon quand même incontrôlable. Il semble, disons, complètement bouleversé. Pis tu vois que Laurent a l'air un peu triste là. Ça a l'air de pas trop lui faire plaisir de voir le vieil homme affiché. Touché de voir ainsi, je me lève et je vais mettre une main sur son dos et essayer de le réconforter. Tu vois qu'il il met sa une main tremblante sur la tienne, puis il fait juste un petit hochement de tête appréciateur, mais il semblerait qu'il a juste besoin de laisser ça aller. Puis, donc tu m'as dit que tu te souviens de tout. Oui, juste tant de pauvres enfants perdus. Puis regarde Laurent. Nous ne pouvons pas laisser ça continuer, Laurent. Il dit nous devons. Mais que faire? Je regarde en cuisine voir la femme si elle a l'air de comme vouloir s'en aller pour dire à Béatrix genre que c'est la curse a été levée ou une affaire de même. Non, elle semble être juste complètement perplexée, puis elle semble pas comprendre, un peu de la même manière que Alphonse semblerait qu'il y ait un genre de disconnect qui se fasse pas longtemps après qu'elle réalise qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est comme okay. Si ça semble être affligée de la même manière. C'est bon. Oragoth, Youb et Sev, Apiora, faites-moi tout un jeu de perception. Juste pas Toshi, Toshi t'es dans le fond. Trop loin, je suis trop loin. Fait que... 14, 16, Youb et Orof, toi, Youb, t'es en train de consoler Père Alphonse un peu. Pis tu vois... Le ciel commence à s'assombrir un peu dehors, quand même subitement. Puis, Orof, tu vois la même chose. T'es en train de regarder dehors, puis tu vois comme les nuages comme se précipiter. C'est comme un peu comme un bon vieux time-lapse de météo, là. Mais, puis tu sais, les nuages descendent, puis commencent à s'assombrir. Il semblerait que. Pourtant, pour une journée qui s'annonçait quand même très belle, c'est très rapidement couverte et assombrie. Oragoth, quand Strongmouse te parle, est-ce qu'il fait en sorte que les nuages s'assombrissent subitement? Non seulement s'il est en colère! Je crois qu'il doit commencer à être fâché, regarde le ciel. Ça ne m'a pas l'air de Strongmouse, ça! Ah, peut-être que quelqu'un d'autre est fâché. Béatrix, peut-être? Peut-être. Alphonse, peux-tu nous dire ce que tu sais avant qu'il se passe une quelconque catastrophe qui nous empêcherait de savoir? À travers justement ses sanglots, puis il essaie de regagner un peu de sa composition, mais il te laisse, à fond, il semble. Il est pas sûr vraiment de. Il n'y a pas une certitude comme Laurent. Vis-à-vis de la sorcière, il semblerait que ce soit plus les soupçons de Laurent qui viennent, qui sont un peu contagieux, disons. Mais lui, ce qu'il se rappelle, c'est qu'il y a des enfants qui sont nés, puis des enfants qui ont disparu. Mm-hmm. Ce qu'il dit, c'est que il a vu des, tu sais, quand il est plutôt, il a aidé genre les femmes à donner naissance à leurs enfants à plusieurs reprises depuis des mois, mais maintenant il se rappelle qu'il n'y en a aucun d'entre eux qui sont au village. Il n'y a pas un enfant en bas âge dans la place. Puis il semblerait que ce que vous disiez est vrai.
Puis ça semble, il semblerait que tous les souvenirs lui sont revenus instantanément lorsque la malédiction lui a été retirée. Ça a été éprouvant. Je crois que ça va être le temps de dépoussiérer ta masque, Laurent. Il va falloir que tu t'en sers bientôt. C'est quoi votre plan? On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Il lève un sourcil. Je pense que ça sort un peu de mes fonctions, là. On doit trouver Béatrix. Je suis d'accord. Mais... est-ce qu'on est sûr que c'est elle qui a fait la malédiction? Je veux dire, mon feeling me dit que oui, là. J'ai malheureusement pas de preuves à vous montrer, là. Mais... moi, il y a juste une chose qui me chicote puis qui m'inquiète un peu, là. C'est... je veux dire, si jamais... d'une quelconque manière, les créatures bestiales sont reliées à elle. Même, je sais pas, je regarde le ciel, puis je sais pas, quelque chose qui peut faire ça, c'est un peu effrayant, non? Je sais pas à quel point rentrer dedans. Là, tu vois, il lève un peu sa masse, rentrer dedans avec ma masse, ça va aider, là. Je peux la vendre si tu veux. Il y a un petit sourire, il fait. Je veux dire, peut-être bien, mais je veux dire que c'est surtout moi qui varge dedans. Là où je veux en venir, c'est si on va s'attaquer à une créature puissante comme ce qu'on assume, comme ce qu'on assume que Béatrix est, bien, ça serait peut-être pas idéal d'avoir des bêtes sanguinaires à nos trousses en plus. Tu crois qu'il voudrait nous aider? Non, moi j'ai peur qu'il les aiderait, elle. Je veux dire, vraisemblablement, les créatures rôdent juste la nuit, mais... Là, ils regardent encore une fois dehors, je veux dire, mais là, on sort un petit peu des lignes... on sort un petit peu des normes, des légendes, là. Juste attendre demain matin. Non, mais le piston vers toi, mais c'est un peu ce que je viens de dire. Je veux dire, si jamais elle peut les appeler même le jour. Non, on est le même jour que quand on a libéré Laurent de Vous avez fait ça en matinée. Ah, fait que j'ai pas le délai, c'est bon. Qu'est-ce que tu proposes? Je sais pas, peut-être que. Tu vois, il réfléchit un peu. S'attaquer aux bêtes directement, c'est peut-être pas la solution non plus. Je veux dire, c'est vrai qu'il il s'accote un peu contre sa masse sur le plancher. C'est pourquoi ça, Ruff? Il est étrange, ce gars-là. On dirait qu'il veut nous dire de quoi, mais il essaie de nous envoyer dans une direction. Non, tu vois qu'il réfléchit juste vraiment fort. Il a l'air de vraiment juste penser à tous les angles possibles. Okay. Puis tu sais, je veux dire, c'est que là, il est en train de considérer avec vous autres peut-être t'sais, une attaque frontale, là. Mais il semble qu'il est en train d'essayer de réfléchir à... Tu vois, quand il réfléchit, il a l'air de trouver que c'est trop facile de juste rentrer dedans. Fait qu'il essaye de considérer s'il n'y a pas quelque chose qu'on n'a pas pensé. Moi, je pense que l'espèce de nuage qui s'est formé, ça doit être juste un avertissement si la malédiction a été brisée. C'est peut-être ça. Peut-être une espèce de signal pour dire « Ah, ici, la personne ne fonctionne plus comme je voulais. » Fait que ça voudrait dire que si on y va, en plus, ça va peut-être s'attendre à ce qu'on y aille. Si elle est là. C'est possible, mais elle sait pas que c'est nous qui avons fait ça, je crois. J'espère. Je me tourne vers Sev. Est-ce que vous connaissez quelque chose sur cette sorte de magie, Sev? Non. Il y a des moyens pour les sorcières de voir. Ça reste à savoir s'ils en ont un ici. Tu connais quelque chose sur les sorcières, petit canard? Un peu. Mais on parle des vraies sorcières, pas dans les contes de fées, là. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu peux savoir? Dis-nous ce que tu sais. Peut-être ça va pouvoir aider. Non, ça doit pas être ça. Non. Mais il va falloir quand même l'affronter un jour, non, si on veut régler ce problème. Je suis d'accord, mais à ce moment-là, ce que je suggère, parce que évidemment, là, il regarde dehors encore, on n'a pas trop de temps à perdre.
ce que je suggère, est-ce qu'on devrait peut-être pas s'assurer que les créatures sont disons, hors d'état de nuire, ou bien c'est qu'ils ne pourront pas se mêler de la partie si jamais partie il y a? Je crains que t'es en train de proposer qu'on rentre dans la forêt durant la nuit pour vaincre des loups-garous. Ben, je veux dire, ça, c'est une manière de faire, là. Mais... Je veux dire... Nous soupçonnons aussi que ces créatures de nuit vivent actuellement dans le moulin qui se retrouve sur la colline. Nous leur enfonçons les sourcils, puis te regarde. Landon? Les traces moulin. Ah, ça c'est... C'est moi qui fais. Pensez que vous l'entendez jurer à en dessous de son soupir, mais vous êtes pas sûr. Et s'il y a d'autres loups-garous, c'est probablement d'autres membres du village. Est-ce que vous savez si cet homme est affilié avec Béatrix? C'est quoi la relation entre les deux? Je veux dire, au-delà de ce que n'importe qui consulterait, au-delà de ce que les gens font ici, pas plus, je crois que Landon est plus souvent occupé à travailler et à livrer sa marchandise à la forge pour le maire. En même temps, je suis pas quelqu'un qui scrute les gens et puis qui aime partager les rumeurs et ces choses-là, donc je vous avoue que je suis pas extrêmement courant de s'il y a quelque chose là. J'ai juste crainte pour eux parce qu'ils vivent isolés sur une colline près de Béatrix. Donc ouais. Si c'est elle qui manigance toutes ces choses, facile à les prendre comme victime. Je suis d'accord. Fait que si vous avez trouvé des traces qui mènent jusque là, on peut assumer qu'ils font partie du problème d'une manière ou d'une autre. Il y a des bonnes chances. Mais peut-être un peu comme vous, ils ne sont pas nécessairement de leur gré. J'imagine. Pourtant, je veux dire, Landon est un gars quand même gentil, hein, je veux dire. Mais en même temps, je sais plus quoi penser. Hein. Mais ça, Landon est un homme un peu rough, mais quand même qui à plusieurs reprises a démontré vouloir faire le bien dans sa communauté. Bon, ce que je m'apprête à suggérer est un peu extrémiste, mais je suis d'accord avec ça. Pour chasser ces créatures dans la forêt la nuit, c'est pas très avantageux pour nous. Donc, en ayant un peu d'informations en tant qu'avantage, je suggère peut-être d'aller appréhender cette petite famille et attendre, voir s'il a des effets durant la nuit, au clair de la lune. On pourrait aller les emprisonner ou les attacher et attendre. Effectivement, oui. Tu vois qu'il est là, à ce moment-là, genre, Laurent est en train de se gratter la tête, en train de penser genre... Visiblement, il a déjà spoté plusieurs problèmes avec ce plan-là. Je pense que Auragot pensait à un plan un peu plus passif, comme attendre que la nuit tombe tout simplement proche du moulin et voir s'il y a quelqu'un qui sort, un loup-garou par exemple. On pourrait poster quelqu'un là, oui, un chat ou quelque chose. Mais peut-être que ces créatures vont essayer de venir nous chercher pendant la nuit, parce que là, nous sommes en train de tout défaire leur beau système ou façon de vivre qu'ils ont installé ici. Et si vous comptez faire une genre de surveillance de nuit, eh bien, je vais vous accompagner. Si c'est le cas, bien moi, vous m'excuserez, mais si je dois passer la nuit debout, je vais aller me reposer. Oh, que je suis d'accord avec cette idée. On devrait faire de même. Donc, vous n'avez qu'à venir me chercher si, quand vous êtes prêt, je vous attends ici. Puis là, tu vois, il met une main sur l'épaule de Père Alphonse, puis... Sois pas inquiet, Alphonse. Nous sommes dans la bonne direction et ces braves gens vont nous aider. Puis tu vois qu'Alphonse est encore visiblement troublé puis ébranlé par les révélations qui lui ont été faites. Justement, il vous regarde tous avec un regard appréciateur, mais quand même inquiet. Puis il finit par juste hocher de la tête. Oui, oui. Sois prudent, Laurent. Repose-toi bien et... Puis il se tourne vers vous tous, puis... Ne faites rien de trop dangereux. On a déjà failli perdre Laurent une fois, j'aimerais mieux ne pas le perdre encore. On est là pour vous aider.
Tu vois, il te regarde un peu, genre de la tête de plus que de toi, puis il baisse un peu le regard vers toi, puis un sourire bienveillant. Il semble vraiment apprécier tes mots. Bon, bien. À plus tard, les amis, et que la brillance de Pellor soit avec vous. Puis tu vois qu'à ce moment-là, Laurent s'en va pour se coucher. Et vous? Que faites-vous? Ben, je crois que c'est le moment de retourner au inn. In-in? Parce que dormir dans la chapelle en plein jour, pas exactement... Vous allez vous reposer à l'auberge? Ouais. Yep. Fait que vous passez la plupart... la grande partie de la journée à vous reposer, à moins que quelqu'un veuille faire autre chose. À part un petit snack avant le dodo, moi c'est pas mal ça qui va se passer. Alright, fait que si vous voulez... Il y a sûrement comme une plante dans un pot dans l'auberge, quelque chose comme ça, puis je la porte dans la chambre, puis je me concentre dessus pendant plusieurs heures. Ok. Fait que le temps que tu passes pas à dormir, tu passes à faire des exercices et des expériences. C'est un long rest qu'on fait? Oui, ça va être ça. Si il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose d'autre avant qu'on entame ça, ce serait le temps. Mais sinon, si tout le monde est good to go, vous allez pouvoir remplir vos points de vie, remplir vos spells, reprendre la moitié de vos dés de vie, et ainsi que toutes les ressources que vous auriez pu avoir dépensées. Je me transforme. La moitié arrondie vers le haut ou le bas? Vers le bas. Oh! Ouais. prochain level, vous allez avoir 3 hit dice par short rest. Long rest. Ah, c'est vrai, j'avais mis mes spells en nono parce que je m'étais stressé avec les loups-garous, je vais arranger ça. Ouais, moi aussi, je vais avoir des spells plus appropriés à la situation. Yeah. Bon. Préparez des spells. Tu n'auras pas de remettre tes points de vie, Toshi. Oui, c'est vrai. C'est la dernière chose que je vais faire. En fait, avant de m'arriver à l'auberge, j'essaie de trouver une espèce de calepin dans lequel je peux prendre des notes au lieu d'avoir tous mes parchemins. Fais un jet de perception. Tu remarques qu'il y a quelqu'un comme pas loin de la... Tu dirais... Il semblerait qu'il y ait des gens qui sont en train de parler à l'extérieur, puis il y en a un qui a laissé sur un petit banc derrière lui... Il semble être un genre de petit cahier. Je le ramasse. Ben, jet Slate of Hand. Ni vu ni connu. Swipe le truc. Il semble avoir des... Tu regardes ça, c'est genre des poèmes cochons. C'est vraiment, vraiment mauvais. Je rate les pages, puis je les laisse traîner à terre, puis je retranscris les parties importantes de mes scrolls. Je retranscris les parties importantes des poèmes, cochon. fait que c'est voilà, fait que tu mets maintenant un petit cahier. Ouais. Fait que voilà, fait que vous avez fait votre long rest. Yep. Puis. Pouf. T'as-tu remis tes points de vie? Non, je te fais direct là, c'est vrai, t'as raison, excuse-moi, je suis encore en train de choisir mes spells. Faut arrêter de les oublier. Oups, c'est fait là, c'est fait. Good. Fait que vous allez. Fait que de fond, une fois que vous avez. Vous vous réveillez, vous êtes en. Disons, fin de soirée. Puis il commence à faire noir dehors. Vous vous rassemblez devant le Bright House. Ben, à l'intérieur, je devrais dire. Vous avez un Laurent qui semble reposer et qui s'étire. Ah. Donc, c'est l'heure. Oui, on est prêt. Tu vois qu'il a l'air sérieux puis un peu inquiet, mais il vous fait un regard de... Genre de coopération, whatever that is. Prêt. Et vous vous mettez en route... vers les collines. À moins que vous ayez ailleurs, excusez-moi. J'assume. On s'en va vers les collines. On s'en va se cacher autour du moulin, là, pour... Parfait. Fait que vous passez le temps un peu... Avant
les angles de vue. Ouais, ça fait qu'à fond, comment vous vous splittez? Est-ce que vous restez tout au même spot? Est-ce que vous vous séparez? C'est comment vous voulez faire ça? On est mis pour couvrir tout l'espace. Moi, ma position tactique, ça va être de me transformer en souris, de grimper sur les ailes du moulin pour être sur le toit. Fait que si jamais il y a vibration, je vais le savoir. Okay, mais ça va être une souris, ça va être capable de grimper là-dessus, tu penses? Ah, ou un chat? C'est quand même haut, hein? Ouais, mais justement, mais non, le moulin marche pas, là, on est la nuit. Ah, c'est vrai, hein? Ouais. Ça va demander de l'acrobatie. Les pannes du moulin passent pas comme à Rolsol non plus, là. Non, c'est ça. Sinon, c'est vrai que j'essaie de grimper. Tu peux t'essayer, tu peux faire un jeu d'athletics. Let's try. À moins que t'aies un climb speed. Non. Mes griffes, pense pas qu'ils me donnent de climb speed. Ben, en tant que tabaxi, oui, t'en as un. Mais en tant que chat, je pense pas. Ce qui est un peu étrange, mais voilà. Parce que t'as les tabaxi. Ouais, non, ça me donne pas de climbing speed. Mais en tant que tabaxi, t'en as un, pardon, je me trompe pas. Ouais. C'est quoi les durées de transformation du druide? Je pense que c'est jusqu'à ce que tu l'arrêtes. Faudrait vérifier. Wild shape. Wow. Longue description. Oui. Wow. Good goddamn. Le nombre d'heures égal à la moitié de ton druid level. Ah, fait que 2h30 dans le fond. C'est ça, il me semblait que ça avait rapport avec le level. Tu vois, une chance qu'on m'écoute pas. Indéfiniment. Ben, je sais pas, moi, j'ai jamais joué de druid. C'est une des deux classes que j'ai jamais joué. Bienvenue dans le club. Fait que, écoute, je vais tout simplement essayer de grimper en chat, puisque c'est plus petit. Fait que, c'est moins de bruit si jamais je manque ma shot. Parfait. Fait que... il va falloir que je fasse avec l'athlétisme du chat. Ça a combien de strength, un chat? Pas beaucoup. À ce moment-là, tu me laisses-tu plus le faire acrobatique? Ouais, parce que c'est ça qui est quand même comique un peu, dans le sens où tu sais, t'as comme moins 4 de force, mais en même temps, t'as juste ton poids à traîner, là, c'est pas... C'est ça, exactement. T'as 30 feet de climb en chat, man. Ah, bon, ben dans ce cas-là, en chat, ça sera. C'est écrit dans ton speed, t'as 40 pieds dans le chat, pis t'as climb 30 pieds. Ah ben oui, c'est parce que moi, je checkais juste sur le bio et info, ok. Non, important. Ah, bouf, ben oui. Fait que voilà. Puis toi aussi, je pense que t'as un 20 pieds en plus, toi-même, si jamais ça devient utile, c'est important à savoir. C'est bon, fait que là, je me transforme en chat et je vais être sur le toit et je vais faire le chat de gouttière. Ok, puis toi... On est tous séparés ou...? En fait, c'est ce que vous êtes en train de déterminer, je pense. Là. Le Toshi a proposé d'aller se... Il a dit qu'il voudrait monter en haut en chat. C'est ce qu'il a proposé à date. C'est sûr qu'on n'est pas tous séparés, parce que moi je m'en vais pas tout seul nulle part. Oh ouais, non, c'est ça, on est sûrement comme en groupe de deux. Là. Ouais, ça serait une bonne idée, on est quoi, il nous reste. Et Laurent avec nous autres, fait que même si t'as chier sur le toit, on va pouvoir être deux par deux. Ben, en fait, vous aurez. Ça va être trois pis deux. Ouais, c'est ça. Un groupe de trois, un groupe de deux, moi quelqu'un vient sur le toit avec moi, là, mais. Ouais. Je dois vous admettre que cette opération me perturbe un peu et je suis pas capable de voir dans la nuit. Même chose pour moi. C'est sûrement qu'il y a soit la lune, soit les. Il y a une faible lumière. T'sais, vous êtes capable de voir peut-être à 10 pieds, 10-15 pieds, puis c'est pas comme, mettons, être dehors dans la ville aujourd'hui où est-ce que t'as de la lumière un peu partout, là, mais à une proximité de vous, vous seriez capable de peut-être déceler des shapes qui bougent. Mais c'est pas comme le noir total à l'extérieur, mais pas loin. Ok, je sais ce que moi je vais faire dans ce cas-là. Bon, on laissera pas deux personnes qui ont pas Dark Vision ensemble d'abord. Ouais. J'aurais tellement aimé vous dire je peux caster Dark Vision, mais c'est pas un des sorts que j'ai préparé. Puis là, je pense qu'il y a juste Sèvres qui voit dans le noir en fait. Mais moi, je vais dans le noir à cause de ça. Je parle, mais toi, tu vas être sur le top du moulin, fait que mettons qu'on va sur ça. Oui. Parce qu'après ça, Ragot voit pas dans le noir, Orof non plus, puis You non plus. Mais moi, mon plan, ça serait de mettre ma cape à On, puis d'aller me cacher, comme longer le moulin, proche de la porte, dans un angle que je sais qu'ils peuvent pas me voir, puis juste écouter. Ok, fait que toi, au fond, si tu veux un spot que tu trouverais qui serait approprié, par exemple, c'est juste en dessous des marches sous la porte. Ok. Mon but, c'est d'écouter si la porte s'ouvre, puis il y a des gens qui sortent. Yeah.
Et tu pourrais juste te placer en dessous, dans l'ombre, dans le noir. Puis avec ta cape, en plus, c'est difficile à remarquer. Quand même. Fait que tu pourrais juste t'installer là, puis au moins avoir les oreilles attentives. Fait qu'il y a Ruff qui propose de faire ça. Tiens, mon stealth. Ça va être ton stealth pour la soirée. Oui. Parfait. Les gens ont des avantages. Mm-hmm. Ouais, c'est quand même bon pour vrai, la cloque of Elvenkind. Là, c'est... Moi, j'aime bien. Ils ont trouvé un moyen de faire un double avantage avec. Fait que Ruff, pour l'instant, prévoit se mettre en dessous des marches et écouter. Toshi va sur le toit du moulin. Les trois autres. Bon, allez, Seb, les yeux grands ouverts, on compte sur toi. Je vais me placer à un endroit où ce que ça passait proche des traces que j'avais vues. Okay, parce qu'ils passent tout le temps vers le même chemin. Ouais, comme un peu par ici, dans le fond. Ouais. Uh-huh. Fait que, au fond, tout on va s'installer en bas. Est-ce que les autres, vous restez avec? Puis d'ailleurs, justement, Laurent, il mentionne que si besoin, je vais pouvoir faire de la lumière, mais dans une opération de discrétion, ça serait peut-être pas une bonne idée. Mm-hmm. Effectivement. Malgré que je suis pas capable de voir, je vais attendre les directives de Seb. Ce sera effectivement... Là, il se tourne vers toi, Seb. Ce sera effectivement toi, Seb, qui pourra nous indiquer si il y a lieu de faire quelque chose. Y'a-tu moyen de me mettre que je vois le moulin et la crevasse? Si t'es comme, mettons, si tu te mets genre sur l'espèce de petite colline qui est en face, t'sais, une espèce de. Y'a un creux, puis un vallon, puis une autre colline un peu plus loin du moulin. Tu vas être un peu. Ça serait un peu à découvert, par exemple, si tu te mets là, mais tu verrais les deux. Mais y'aurait quand même moyen de te cacher avec un jet de stealth, là. Mais, t'sais, je veux dire, c'est pas. C'est pas la cachette la plus efficace. Ok. Juste avec Orof pis Laurent. Pis possiblement Youb, si vous allez à même spot qu'elle, mais sinon elle est rendue dans l'allorie de la forêt pour surveiller le spot où est-ce qu'il y avait des traces. Non, moi je préférais être tout seul vu que. Ouais, toi Orof, c'est sûr que tu vas être comme. Sinon vous allez être une gang en dessous de la porte, pis là, les chances de se faire spotter deviennent un petit peu plus élevées. Là. À la Scooby-Doo, là. Ouais, c'est ça. D'habitude, la marche elle craque. Je me demande qu'est-ce qu'il y a de mou qui t'empêche de craquer. Je vais y aller, me cacher avec Orof. Fait que Orof t'entends à côté de toi, là. Le gros désavantage de stealth qui marche vers toi. Ouais, c'est ça. Tu vois. En fait, c'est ça. En fait, c'est plus que quand vous allez vous splitter pour aller vous mettre à vos places, ben, Ruff, tu te rends compte que Ragot s'en vient avec toi. Je peux-tu me crisser stealth puis juste essayer de faire le tour de l'autre bord pour arriver de l'autre bord de l'image? Oui, mais c'est une moins bonne cachette, par exemple. Ah, je vais juste rester comme j'étais là. Au pire, ils vont spotter lui, puis pas moi, là. Non, ça. Je vais rester avec Seb et Youb, là. Ouais, dans le fond de la colline que tu me parlais, je peux me virer de bord puis voir de chez Béatrix aussi. Difficile parce que c'est beaucoup plus haut. Mais, ouais, mais genre de la même direction. Tu serais capable de voir le flanc de la colline sur laquelle il y a sa hutte. C'est là que je vais être. Okay. Fait que, au fond, Seb, toi, tu fais comme le guet, genre, en vue de la porte. Puis les trois. Laurent va rester. En fait, va rester avec toi. Ok. Pendant que Oragot et Youb vont à l'orée de la forêt pour surveiller le spot avec les traces. Oragot, il avait dit qu'il restait avec Seb. Ah, ok. J'ai peut-être mal entendu, excusez. Bon, ben d'abord, c'est Laurent qui reste avec Youb. Bref, il y a personne qui va être laissé seul. C'est là où je voulais en venir. Parce que Laurent va aller avec la personne qui est tout seul, qui est pas caché, nécessairement, à un endroit risqué. Donc, vous êtes séparés à cette, disons, de cette manière. Vous pouvez lancer vos jets stealth. Je vais lancer celui-là pour Laurent. Hey, hey. Oh non. Bref, on est dans le bois. C'est sur une colline, t'es pas dans le bois. Ouais, t'es avec qui finalement, Ragot? Moi, je suis avec you. Ah non, je suis avec vous autres. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Je suis avec Seb, ouais. Ok. C'est la colline. Okay.
Ça, c'est clair. Ok, d'accord. C'est beau. La colline paraît un peu plus haute que d'habitude. Ouais, il y a comme une bosse. Une grosse bosse qui guillot en verre. Hey! Ça, de temps en temps, je vais me virer de bord pour checker chez Beatrix. Ok. Fait que tu regardes, tu vois que le plafond nuageux est assez bas. Serait broken 400 pieds. Y'a personne qui va comprendre ça. C'est pour ça que c'est drôle. fait que vous êtes là tous en position et vous attendez patiemment que le plus profond de la nuit se présente. C'est-tu qu'on va prendre une pause puis on va voir par après qu'est-ce qui se passe. Oh! Hey, j'étais en train de lire la plus grosse règle dans le livre du maître, c'est-à-dire écouter les jasettes sur le site puis s'abonner à RPG sur le site. Vous pouvez faire ça en cliquant juste ici puis voir les jasettes en allant juste là.